Il n'y a pas de micro, il n'y aura pas d'effet. J'ai l'impression que je commence à parler tout doucement dans un étau comme ça, donc c'est trop stylé. Yo, salut tout le monde! Donc voilà, je me suis fait un nouveau studio tout propre, tout neuf, donc je suis vachement content. Sauf que par contre, le petit souci que j'ai, c'est que vu qu'il est vide, forcément, j'ai pas encore reçu ma batterie. Ça va quand même pas mal résonner, donc il va falloir que j'isole tout ça. Je vais passer sur une acoustique et une belle acoustique qui va envoyer du bois. Et vu que j'ai une toute petite pièce, là je suis obligé d'isoler, sinon je vais me mettre une tête comme ça. Donc voilà, je voulais vous présenter un petit peu comment j'ai fait pour traiter ma pièce phoniquement pour un budget mais vraiment ridicule, ridicule, et pour avoir une qualité de rendu semi-pro, peut-être pro, je sais pas, mais en tout cas imbattable rapport qualité-prix. Let's go! Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. C'est des gros cadres en bois et à l'intérieur, on va superposer simplement des serviettes de bain, des serviettes éponges. Donc du coup, on en met à peu près 5 à l'intérieur. Celle qui va nous servir de fond et qui sera visible dans le studio, on essaie d'en prendre une belle. Moi, j'en ai acheté au mètre. Pas très cher dans un magasin de tissus pour avoir quelque chose d'assez stylé noir. Tout dépend des goûts, de ce que vous voulez. L'idée, une fois qu'on a fait son cadre en bois, hop, on a juste à faire le fond. Donc le fond, il faut qu'il a pour but, ben voilà, de faire le côté esthétique du truc et de maintenir toutes les serviettes qui vont venir se superposer à l'intérieur. Donc ensuite, nous allons disposer les serviettes à l'intérieur du petit panneau. Donc voilà, j'ai mis 6 serviettes à l'intérieur, plus une à l'extérieur, ça fait 7. C'est le grand maximum. Normalement, 6, ça suffit large. Donc là maintenant, il reste ma partie préférée à faire, c'est-à-dire aiguille, fil. Et on va les coudre ensemble bien comme il faut, tac, histoire qu'elles soient bien tenues, qu'elles ne s'affaissent pas. Et après, je vais les agrafer un petit peu et je vais recouvrir ça. J'ai fini mon beau panneau. Oh, oh, oh! Donc là, ça résonne de fou. On a l'impression qu'on a la tête dans un tonneau ou je sais pas quoi. Ça résonne de fou. Donc là, je vais pas bouger mon trépied avec mon iPhone dessus. Il n'y a pas de micro, il n'y aura pas d'effet. Ça va être vraiment la manière la plus simple pour moi de vous retranscrire ce qui se passe vraiment dans la pièce. Donc là, voilà. Pa, pa, pa. Je regarde où je suis à peu près pour me remettre là, vite fait. Pa, pa, pa. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les panneaux. Je vais pas les fixer encore au mur parce qu'à la place de cette batterie là, j'ai ma belle batterie que j'ai commandée chez Buddy Drum Shop là qui arrive soit fin de semaine, début de semaine prochaine. Du coup, une fois que j'aurai ma batterie, je vais adapter les panneaux en fonction de comment je vais la situer. Donc je vais juste les poser au sol en mode un peu à l'arrache. Là où ce serait le plus efficace, ce serait de les fixer au mur et avec des petites équerres et de les laisser genre à 2, 3, 4 cm du mur. Je sais que plus on les éloigne du mur, plus le son met du temps à frapper et à revenir, plus c'est efficace. Donc là, je vais vraiment les poser en mode à l'arrache, juste pour vous donner une idée, juste avec les panneaux, ce que ça peut donner. Let's go! Alors on fait un test. Pa, 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 pa. Je regarde où je suis à peu près pour me remettre là, vite fait. Pa, pa, pa. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les panneaux. Franchement, pa, 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 pa. J'ai l'impression que je commence à parler tout doucement dans un étau comme ça, donc c'est trop stylé. Ça résonne de fou. Donc là, je vais pas bouger mon trépied avec mon iPhone dessus. Donc franchement, j'avais déjà acheté des mousses avant sur un site que tout le monde connaît et que j'avais mis au mur, mais franchement, ça avait rien donné et ça coûte plus cher qu'un panneau comme ça. La même taille, la même config, voire même un poil plus petit, ça coûte 159 €. Un panneau comme ça. Moi, ça m'a coûté moins de 20 €. L'intérieur, ils mettent juste une mousse. Une mousse.
Mais cette mousse-là, c'est pas dense du tout, quoi. C'est un petit bois un peu stylé sur le côté, histoire d'eux. Mais franchement, comparé à ça, j'ai mis 6 serviettes en tout. Je peux vous dire qu'il pèse, son poil, machin. Donc voilà, c'est un moyen. Je remercie Perks. Vous pouvez aller voir sa vidéo, elle est trop stylée. C'est un moyen qui coûte vraiment, vraiment, vraiment pas cher. Là, déjà, juste avec ça, j'ai cassé la résonance. Et si j'en rajoute encore, je pense que là, on va vraiment arriver. On va se rapprocher vraiment dans un studio quasi pro où quand on rentre dedans, on parle et on a zéro reverb. Limite, ça fait flipper. Il faut trouver le juste milieu par rapport à ce qui vous convient. Mais le rapport qualité-prix par rapport au rendu, waouh. Donc voilà, la prochaine fois, ça sera en studio ici avec ma batterie acoustique. C'est une de mes premières vidéos YouTube. Je vous remercie en tout cas, j'ai déjà 1000 abonnés et franchement, c'est un truc de ouf. Merci à tous d'être là. Je viens juste d'arriver sur YouTube. J'ai juste uploadé tous mes TikTok. Voilà, parce que je fais pas mal de TikTok. Je poste une vidéo par jour. En principe, sur Instagram, je donne des cours de batterie. Je vous donne un petit peu plein de conseils, plein de techniques. Et je vous mets aussi des covers, plein de trucs. Donc, n'hésitez pas à venir parler sur Insta, regardez ce que je fais. Et à vous abonner si vous avez kiffé. On se retrouve bientôt pour des tutos de batterie, pour des covers. Ici, c'est ma chaîne. Je vais mettre tout ce que je fais, tout ce qui peut peut-être vous aider. Donc, let's go!